Le 19 juillet 1943, le commandant du camp désire briser les prisonniers en exécutant 12 d'entre nous. Devant nous, un échafaud, 12 nœuds coulants, 12 tabourets, 12 condamnés. Un jeune homme, surnommé le frère de Kaminski, interrompt la lecture solennelle de l'acte d'accusation en repoussant le tabouret sous ses pieds. C'est son dernier acte de résistance.